Donc, yo tout le monde, on va voir qui aujourd'hui? On va voir qui? Évidemment, on va voir notre petit Pablo. C'est parti. Let's go. Non, mais ouais, c'est qui t'a fait ça là? Oh, j'ai gagné! On a pas vu la fin, nous! Putain! Oh non! Son pseudo c'est Lab et puis Ouze. Ouze, ouais. Bon les gars, aujourd'hui on va faire des petits pranks à Pablo. Ma Big Pedro, tu manges? Ah bah... Ouais, mauvais sens, Pablo. Okay, on va prendre sa poubelle. C'est de poubelle. On va mettre celle-là. On va faire celle-là. Prank à Pablo Escobar. Ah d'accord. Génial. Alors bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, nous allons faire des pranks à Pablo Escobar. Pablo ! Oui ? Je crois que je les avais mis là. Ah oui, c'est moi, il y a deux épisodes. Bon les gars, mon jeu a crash. Donc les gars, on va directement aller sur le deuxième jeu. Parce que c'était une compilation de trois jeux. Donc là, prochain jeu. Attrocession. Donc là, le but du jeu, c'est qu'en fait, on va retourner au niveau 1. Donc, le but du jeu, c'est en fait, tu dois tirer sur les ennemis, mais il y a des rebonds. Genre là, c'est le niveau 1, c'est facile. Là aussi. Et en fait, tu dois faire des 3 étoiles. Hop là, c'est facile hein, pour l'instant. Donc là, tu dois mettre 2 balles. Impressionnant ce jeu. Hein. Il vous laisse sans voix, franchement. Vous, devant votre écran. Ouais, je sais, c'est très casse-pied ce jeu. Surtout quand t'es niveau 270. Pan, 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 pan. En plus, c'est trop stylé, il veut faire son thug. Pan. Ok, on recommence. Dès que j'ai pas 3 étoiles, je recommence. Hein. Ça, je le dis. Hop là. Mais comment je fais pour ne pas avoir 30 pièces directes? Les gars, je m'oppose à toutes les pubs, hein. Désolé, mais... Donc le but, c'est de tuer ces gens-là. Ces gentils monsieur qui n'ont rien demandé. Donc, encore une fois... Ah ! Oui, on peut tomber de dégâts de chute de un bloc. Donc là, il faut tirer 2 balles d'affilée. Shogun Caster. Oh! C'était trop stylé, par contre. Mais
Non, mais quand il n'y a pas des pubs? Voilà. Là. Ouah! C'est trop marrant celui-là. Best ever party. Ouf. Ça doit faire très mal, mais c'est très beau à voir. Oh, trop beau. Je refuse de jouer à ce jeu avec un son dégueulasse. Ouh! Alors, j'aurai jamais de partenariat, les gars. Pour ceux qui se le demandent. Ok, là, on a perdu d'office. Ah bah. Ah bah tiens! Eh mais c'est la fin. Donc, les gars, abonnez-vous à Jesse Imitation. Hein, il est trop marrant. Les jokes d'imitation, c'est quoi? C'est comme des jokes de papa, sauf qu'à la place de parler avec notre voix habituelle, on va parler avec des voix de personnages qu'on s'est justement écrit ici dans un bol avec plein de petits papiers. Et justement, le premier adversaire qui va arriver est un grand youtubeur renommé sur toutes les plateformes. Veuillez accueillir Dollarect. Malik a 21 ans, ses amis le surnomment Dr. Troy et il n'aime pas les filles avec des petits seins. Et nous accueillons tout de suite le deuxième concurrent, le deuxième adversaire, le redoutable Gabriel. Énorme. Allez, maintenant dégage. Regarde pour l'instant, c'est très marrant. Qu'est-ce qu'il fait? Toi, toi. Je sais pas. Atana. Laisse-moi deviner, c'est en Afrique. Non mais il a un nom. Ah, Magic System. Et évidemment c'est le grand Eddie Malou. Oh, un point pour ça. C'est au tour de Gabriel d'y aller. Allez-y monsieur. Je sais pas qui c'est. Attends. C'est ce qu'il a regardé. Mais c'est... Alors. Un mec rentre dans un café et plouf. Le revenu universel c'est bien. Le revenu. Le revenu universel c'est bien. Ah, c'est un point bien mérité ça. Un point bien mérité pour Gabriel. Félicitations. Qu'est-ce que c'est la montre d'hyper? Je sais pas. Dic-tac. En fait, du coup, j'ai pas compris la blague. C'est comme elle était. Mais deux. Comment tu fais pour deviner? Eh oui, je suis à prendre ma place. Concentration. C'est un mec qui rentre dans un bar et qui dit « Salut, c'est moi ». Mais en fait, c'était pas lui. C'est Benoît Hamon? Presque. Non. Tu peux me refaire la blague? Mais t'es... Ah, une petite bête. Oh, l'hésitation! L'hésitation! C'était Nicolas Sarkozy! Mais c'est tous pareil! C'est Maxime qui prend ta place. Oh, je connais pas, mais je vais me débrouiller. Tu connais l'histoire du superposé en slip? Donc en fait, je peux montrer les pubs, mais je peux juste montrer. J'ai pas vraiment entendu. Vraiment. Tu connais l'histoire du superposé en slip? Mais la blague? Mais la blague? C'est une histoire à dormir debout. Perdu. C'était un maître nageur de Palmachot. C'était si précis. Yes. Oui, il y a vraiment un personnage d'un truc de... Ok. Voulez une histoire de prout? J'ai dit la fin. Vous voulez. Bonne tactique. Bonne tactique. T'as reconnu? Gandalf. C'est Gabriel qui vient. Allez. Quelle est la traque? Quel est le point commun entre un homme pour un mec investi? Ah, il s'étire, et il pète. Oh, je sais. Dans Fort Boyard. Pas du tout. Le père. Alors, le père non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je vois pas. Attends. La légende. Il y a 10 secondes. Vas-y, 10 secondes. 10, 2. Putain, c'est horrible! 3, 2, 1. Non, putain, il a dit mieux d'un moment! Le sauvetage! Incroyable. Oh, ça va être... Donc, les gars, désolé si je parle pas vraiment, c'est juste. C'est incroyable.
que en ce moment j'aime pas trop parler. J'ai mal à la voix. Je vais mettre la blague. Je n'ai pas fini. Quel est le point commun? Quel est le point commun entre du whisky et un enfant pour un prêtre? C'est toujours du 12 ans d'âge et juste un doigt. Combien? J'en ai deux en tête. Un, Rock Lee. Non, pas que pas Rock Lee, comment il s'appelle? Mais c'est Lee, comment il s'appelle? Lee Wong. T'as 10 secondes, si on passe, c'est fini. 10. Jack Hudson. Jugez le racisme, la nation du racisme, s'il vous plaît. Il passe du coq à l'âne. Le coq sur son pénis. Le roi Enoch. Bien vu. J'ai gagné un point. Est-ce que ça compte pour un rire, ça? Je sais pas qui c'est, mais. Ça a l'air d'être. Espagnol. Comment il a fait? C'est vrai? Mais oui, c'est ça! C'est une blague! Mais comment t'as fait? Mais j'ai fait ça! Mais t'es un jeu, j'ai fait ça! C'est vrai? Mais. Et. Gordo et Calvo. Il a fait ça! C'est bon? Et. Gordo et Calvo. Comment il a fait? C'est vrai? Mais oui, c'est ça! C'est une blague! Mais comment t'as fait? Mais j'ai fait mais ça! T'es un génie! J'ai fait ça pour la blague! Mais quoi? Mais c'était ma blague d'ailleurs! T'es un génie! Transforme cette émission en mentalisme! C'est très bien, Olicard! Mais c'est incroyable, mais c'était pour la blague! Je me suis dit, espagnol, vas-y! Me dire oh, parce qu'ils ont fait un truc hors de caveau! On veut l'imitation, on a l'imitation! Ouais! Vous savez que les Watts. Vous savez que les Watts viennent des phoques? C'est ma femme, Carlito. Il sait pas. C'est l'histoire d'un poil plus bien. Il était bien, mais maintenant il est pas bien. Non. C'est l'histoire d'un poil plus bien qui était bien. Mais maintenant, il est plus bien. Deux possibilités, je dirais, ce ne sont pas mes réponses. Soit Fabien Lucien, soit. Comment il s'appelait? Astolos. Refais une imitation alors, s'il te plaît. Nous allons suivre aujourd'hui les aventures de nos aventuriers dans une langue. La voix off de Pokémon. Regardez juste sa tête. C'était bien. Regardez. C'est des gamins. Mais qui la mère? Attendez, je croise un cochon et lui dit. Alors, ça va mieux ta chignon? Non? Tout. As-tu deviné? Oui. Homer Simpson. Quand je pense à Homer Simpson, je pense direct à... Oui. C'est des verres? Faut prendre des verres, ouais. Moi, les verres, je les prends en soirée. Laisse en passer une. On se fout d'où on regarde dans un hôpital psychiatrique. Il a compris qu'il peut le regarder. Pourquoi
il me montre des pubs, Peggy 37. On va dire que c'est suicidé. Chut. C'est la dame de pique parce qu'elle a une seringue. N'installez pas des applications comme ça. Parce qu'un jour j'ai été sur Appflamme. Et donc là, j'avais gagné 50 000 trucs. Donc là, j'ai acheté des cartes PayPal. Et ça a rien fait. Ça va, il y a trop de pub. On va aller sur un autre jeu. Mon Discord, il est juste là. Aquapark, c'est quoi? C'est l'application où tout le monde triche. Et si tu tombes, t'es mort. Et inimaginables seront utilisés pour déstabiliser, que ce soit les déguisements, les duels en 1 contre 1 ou des renforts des abonnés. C'est un très gros défi et j'espère pouvoir en sortir vainqueur. C'est parti tout de suite pour ce tuer de la géant. Salut, je reviens de la mer. Je vais mettre un peu de promotion, ça vous dérange pas. C'est marrant, je vous écoute. Est-ce que vous voulez faire un truc sur un Excel? En fait, il est tellement petit que c'est fou sur un petit. Vous pouvez aussi faire ça si vous voulez. Il y a des gens qui gardent bien leur calme, hein. Est-ce que quelqu'un veut faire une blague? Ouais, vas-y, viens. On va le faire en duo, tu vas voir. Quel est l'autre nom d'une rafale trop mal? La ginette ou une creux? En fait, on met ton pénis dedans et on fait des mouvements et du coup, ça fait des petits bouts. C'est très marrant. Tu sais, la différence
entre un trou du cul et un bonbon à la menthe. Bah, je vois que vous avez déjà mangé le trou du cul, c'est bien. Allez, baissez-vous tous. Ouais, il y en a qui résiste bien. T'es sûr que tu résistes? Tu sais, je peux aussi me déplacer, hein. On va voir combien de temps tu tiens. Ça, c'est plus un cassoulet. Après, si on part sur un McDo, ça va être plus comme ça. Tu vois? Putain, mais je perds tout le temps. Tu te trompes vachement du... Tous les gens qui rigolent, vous êtes assis maintenant, hein. Regardez, installez jamais ce jeu parce que moi ça me fait peur ce bruit là. Enfin ça fait même pas peur mais ça fait mal. En gros c'est un mec qui met des presse-tourées dans son champ et il y a un gars qui vient et il dit mais pourquoi tu mets des presse-tourées dans ton champ? Il dit bah c'est pour éliminer les girafes. Il dit t'es con, il n'y a pas de girafe. Bah bien sûr puisque j'ai mis des presse-tourées. C'est très drôle, ça m'a oublié. Parce que c'est marrant ça. C'est pas une blague de branleur. Tu vas faire ta faute. Là, elle a rien rigolé. Il suffit juste que sur cette application, il fasse ça. Celui-là, ça marche pas. Ah, attention, le bruit arrive. T'aimes pas trop tout ce qui est fait. Mais t'aimes bien les branleurs. Pourquoi tu réponds pas à la question? Ah, attends, est-ce que tu veux répondre dans le micro? Tu veux répondre à la question? T'as un truc à dire? C'est la première fois que tu fais ça? D'accord, tu mets du suspense. Attention. Non, non. Oh, il était de l'autre côté. Il y a des sourires bien puissants, mais ça va tomber, ça va tomber. C'est Harry Potter. Putain, mais on s'en fout des pubs, en vrai. En vrai, ça sert à quoi, les pubs? J'ai croisé zéro jeu grâce à des pubs. Hein. Quelqu'un vous fait une blague? Ça vous fait rire, les jus? Quelle est la différence entre Reconnu. Est-ce que quelqu'un tout en haut a la blague de l'année? Quelle est la différence entre une fourchette et une cellule? Plus temps de cuisson. Non, la fourchette pousse le plat du jour, mais la cellule pousse le plat du jour. C'est plus poétique que... Ah non, celui-là arrive. Est-ce que vous savez ce que c'est une licorne? Attends, Alban, viens au fond. Est-ce que vous savez ce que c'est une licorne dans les dormis? Ah ouais, c'est bon. Eh, hey, n'installez pas ce jeu, c'est de la merde. Tu viens vraiment de faire asseoir 4 personnes sans t'en rendre compte. Ah, tu vois, je te regarde. Ouais, je parle de toi, t'en tournes pas ça. T'as déjà un début de sourire là. Tu sens que je vais arriver à faire un prout. D'accord. Après l'amour. C'est pas loin, hein. C'est une maman alien qui fait manger à son fils et son fils lui répond dis donc maman, c'est extraterrestre. Attends, on va faire autrement. Les gens qui sont debout vont nous faire une blague. Bonne chance pour être drôle. Est-ce que vous savez comment on appelle un roi sous maman? Quel est le temps commun entre l'intello et un pédophile? Très marrant. Qu'est-ce que fait une femme après l'amour? Elle gêne, genre gêner, comme toi en ce moment. Vous savez quelle est la monnaie de la mer? Le tout marin. C'est pas drôle. Que dit-on d'une italienne qui a joué? Quelle est ravioli? Apparence aux repas de four farcie à la viande. Alors il y a deux enfants, ils... Mais je peux te tenir. Il y a deux enfants qui vont faire la vie à eux, c'est la mer qui ouvre. Elle dit oui, les enfants, vous voulez quoi? Bah, on aurait un petit con, ils viennent avec nous au rugby. Elle dit, petit con, elle a dit bras nisant. Ouais, mais on n'a pas de ballon. Allez, hein, mais putain! Eh, hey, n'installez pas ce jeu, c'est le pire jeu de l'année. Hein. Vous allez au premier rang, et le premier qui juste sourit, c'est perdu. T'as un petit sourire, je suis désolé, hein. Tu peux partir. Hein. Attention, j'ai une vanne bien nulle. Le Viagra, c'est comme l'enfer, ça t'en habite. Est-ce que derrière, quelqu'un qui est assis à une vanne, tu vas juste voir un temps avec qui ça va mieux? Ça sourit. Je suis désolé pour toi, parce que... Merde, mais c'est un jeu de merde, ce jeu c'est le pire. Car Revive, quand tu regardes une pub, ça met encore une pub derrière. Mais t'as pas envie de te faire démotiser. T'as souri. T'as une soeur? Oui. C'était un sourire. Vas-y. T'en as pas deux? Ils sont très très sérieux. Non! Là j'ai. Là, oh! Allez! Allez, jeu de merde! Allez!
En plus, je vais me tomber sur une pub. T'es heureux de nature ou juste un sourire? Bah, là, t'as en train de sourire. Je suis désolé pour toi. C'est bien, on les fait un par un. Un gars, il arrive par terre là, et il récolte une petite chemise, là, comme ça, et puis il fait. Oh, mais la chenille, elle pleure là. Oui, comment tu fais? Bah, pleure, pas chenille. Voilà, merci. C'était très très marrant. Vous savez comment les nains s'essuient les fesses? Le temps de cuisson. Je suis drôle, hein? Le temps de cuisson, ça marche toujours. Le temps de cuisson? Non, ça, là, c'est juste là. Ouais, je comprends pas, les gars, il y a que des jeunes merdes. Faire le mode otage. Merci. Ah, moi je peux rigoler maintenant. Moi j'ai abandonné depuis longtemps. Vas-y, vas-y. Comme le caca il est mou, la diarrhée. Ça fait mon pétain. C'est dommage de perdre tout le caca. On boit à côté, il est en train de se contenir, elle va chier dessus. T'as rigolé. Moi c'est vraiment encore plus. Là par exemple, elle est en train de rigoler. Elle sait qu'on va s'avancer vers elle. Voilà. Vous allez perdre, vous pas. Quoi? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire. Merde. Faut juste faire ça. Ça. Voilà. Faites une soirée, il faut une contre-soirée. J'ai bien un petit sourire. Je vais trouver le prochain qui a le traqué, il est en jaune. M'a toujours dit qu'en gros une bonne blague c'est comme une levrette, c'est mieux quand t'es tiré par les cheveux. T'as souri quand elle est arrivée. Ouais, je suis désolé. T'as les petits chiens là. Elle a rigolé. Ouais. T'as vu, ça va vite, hein. En fait, on va faire un duo comme Chevalier Las Palais. Ah, si vous êtes trop jeune pour la référence. Squeezie Cyprien. Vous êtes trop vieux pour la référence. La chemise rouge va bientôt craquer. Mais voilà, putain, la chétonne. Pour les mêmes, pour les hommes. Voilà, toi t'es dealer, c'est ça. Ça va être fouillé. Merci. Ouais, regarde, je me suis agarré, bien sûr, mais il y a des très beaux. Vas-y. Une partouze. La partouze marche aussi. Lui, il est pas bien. T'es con, retourne dans ma tête. T'as vu quoi en arrière? Il y a un spectacle qui vient de se monter en quelques secondes. Tu me pompes. Mais. Non, c'est pas ça, c'est la barbie schneck. La barbie schneck. Allez, ta souris. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont cette coupe. Parle pas de toi. Hein. Ta souris. Ouais, t'as perdu. Ah, au bout d'un moment, quand même, hein. Ah, parce que j'aurais bien rentré chez moi. Et tu sais comment on appelle la fête d'une trompette? Une Bluetooth. Comme la Bible. Exactement. Je le vois d'ici, il ne lâche rien. Il n'a rien de connu. Là, il prend des enfants morts, mais. C'est pourquoi les clowns se rigolent tout le temps? Parce que l'air blanc va tricouiller. Ça marche aussi avec les mains, cette blague, avec Sarkozy et avec Alexen. Ils sont tout jeunes, ils viennent de débuter. On les accueille. On est des flics, on n'est pas des flics. Et on a tout ce qu'il nous faut. Est-ce que tu penses en moi ici que
danser sur une danse Fortnite. Vous êtes fini, vous, hein, par rapport à votre réputation. Capitaine Slip, c'est la vie maintenant. Je faisais juste te dire un petit truc. Les derniers abonnés vont s'affronter en cercle face à face. Et oui, bah je change le concept parce qu'en même temps c'est ma chaîne donc je fais un peu ce que je veux. Profitez bien. Il manque un peu une biscotte là, non? T'as rigolé. Charlie, tu peux y aller. Le temps de cuisson. La dernière fois que je suis allé chez une collègue, j'ai pas eu le rendez-vous alors. En fait, le truc, c'est que j'ai été 5 gagnants. Et en fait, juste avant de venir, il y en a un qui a rigolé. Je sais pas où tu t'es assis, du coup, je te vois pas. Ah, et tout là-bas. Les 5 gagnants de ce magnifique concept que j'ai pompé sur personne pour une fois, ok? Bravo, vraiment, je sais pas comment vous faites. Juste, vous pensiez à quoi? Juste comme ça. Yes. La haine, quoi. Merci tout le monde, vraiment. Est-ce que vous voulez refaire des trucs comme ça bientôt? Ouais. Bah, je vais réfléchir quand j'aurai un peu de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, s'il te plaît, salut. Je peux pas parler, en fait, c'est une vidéo, salut. Et comment? On s'en fout de l'innocent Mouloud. Mais frère, mais ah voilà, crève. Ça c'est du plagiat direct. Je place deux gros merci. Le premier à Jour Magique, c'est l'entreprise qui nous a fourni cette structure. Merci beaucoup Jour Magique, le lien dans la description. Et évidemment, merci beaucoup à Nerf qui nous fournit l'armement et qui sponsorise cette vidéo. C'est parti pour un mode zombie dans la vraie vie. Let's go. Non. Voici les règles de ce mode de jeu. Quatre youtubeurs, Neoxy, Joyka, Vodka et moi, sont armés de Nerf Rivals et doivent défendre une maison gonflable contre des vagues de zombies. Une centaine d'abonnés déguisés en zombies attaquent cette maison par vagues successives. Attention, plus on avance dans les manches, plus le nombre de zombies par vague augmente. Les zombies peuvent uniquement pénétrer dans la maison par des entrées définies. Elles sont obstruées par des fausses planches de bois qu'il faudra détruire avant d'entrer. Si un zombie touche l'un d'entre nous avec la main, on meurt et on reste à terre jusqu'à la manche suivante. Pour tuer un zombie, nous devons tout simplement lui tirer dessus. Une balle suffit pour les neutraliser. Entre les manches, les youtubeurs disposent de 90 secondes et pas une de plus pour recharger leurs armes et réparer les fenêtres endommagées. Ah, j'oubliais, nous ne connaissons pas à l'avance le nombre de zombies par vague.